restez bien sur notre chaîne, vous allez pouvoir découvrir notre tout nouveau jeu de télé-réalité intitulé « Qui a envie de se faire humilier en direct à la télévision ?» Et ça seulement pour le prix d'une cacahuète. Je peux pas regarder cette émission, j'ai pas une cacahuète sur moi. Hein ? Voilà, maintenant j'en ai. Je peux pas regarder cette émission, j'ai pas un seul sandwich de jambon, salade, fromage à me mettre sous la dent. Très bien, maintenant j'ai tout ce qu'il me faut. Mon bol de cacahuètes, mes délicieux sandwichs de jambon, salade, fromage. Oh, on dirait que quelqu'un s'est amusé à faire main basse sur mes cacahuètes. C'est bon, Roddy, ça sent pas la cacahuète là-dedans. Ça sent pas la cacahuète. Test négatif. Mais au cours de l'examen, j'ai repéré des traces de sandwich au salami avec du chou. Tiens, d'ailleurs, à propos de sandwich, je vais aller manger les miens. Oh, c'est pas vrai. Maintenant, c'est mes sandwichs qui ont disparu. Sandwich jambon salade fromage plus bol de cacahuètes. Cherche. Bon, d'accord, Roddy est agaçant parfois. Mais ce qu'il y a de bien avec lui, c'est qu'il a un radar à la place de la truffe. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, ça suffit, descendez de là. On est désolé pour tes cacahuètes, Garfield. Mais on a besoin de beaucoup manger pour grossir et ainsi pouvoir hiberner. Pour pouvoir hiberner? C'est ça, nous sommes une race d'écureuils qui hibernent. Nous dormons presque pendant tout l'hiver. Vous passez tout l'hiver à dormir? Oh oh, ça c'est le genre de plan qui me plairait. Pour pouvoir hiberner sans problème, avant, on est obligé de manger des énormes quantités de nourriture. Oui. Vous avez dit des énormes quantités de nourriture? Visiblement, l'hibernation a du bon. Je vous laisse déguster les sandwichs et les cacahuètes. Moi, je vais aller réfléchir à un truc. L'hibernation. Et pourquoi est-ce que je n'y ai pas pensé plus tôt? Cette activité combine à merveille les deux choses que je préfère le plus au monde, à savoir manger et dormir. T'as envie d'aller manger là-bas? Chez Albert Buffet à volonté? Tu te souviens de ce qui s'est passé la dernière fois où on y est allé? À mon avis, ils te laisseront pas entrer. Hein? Ça peut peut-être marcher. Bon, Gilbert, c'est ton premier jour dans ce restaurant. Tu peux me dire quelle est ta priorité absolue en tant que serveur? Oui, monsieur Albert, c'est de faire en sorte que le buffet soit toujours plein pour que nos clients puissent manger tout ce qu'ils veulent. Non, Gilbert, ta priorité absolue, c'est de faire en sorte que ce chat ne rentre pas ici. Ma famille a créé ce restaurant il y a 47 ans, et en 47 ans, cet établissement n'a jamais, tu m'entends, n'a jamais perdu d'argent. Mis à part un certain jeudi, il y a de ça 3 ans. Il est entré pour manger, et à cause de lui, j'ai bien failli mettre la clé sous la porte. Quoi? Juste à cause d'un chat? Cette chose est plus qu'un chat. C'est un estomac avec de la fourrure autour. Une sorte d'aspirateur avec des moustaches et une queue. Soyez les bienvenus. Venez donc goûter à nos plats. Des mets tous plus succulents les uns que les autres. Et souvenez-vous, ici c'est buffet à volonté. Oh, merci Albert. Je veux dire, c'est la première fois que nous venons ici. Gilbert, je compte sur toi pour empêcher ce chat d'entrer. Tu as bien compris? Oui, monsieur, vous pouvez me faire confiance. Bah!
Je suis ruiné. Tout ce qui me reste à faire, c'est fermer ce fichier restaurant et le transformer en cordonnerie minute. Je suis désolé, mais nous ne pouvons pas vous accueillir. Il ne reste plus rien à manger dans ce restaurant à part cette toute petite olive noire. Bien bêté. Très bonne cette olive. Pourquoi moi? Bon, très bien. Le moment est venu de me mettre en hibernation. Je vais régler l'alarme du réveil sur Mars. Oh, ceci dit, rien ne m'empêche de faire la grasse matinée. Je peux bien me lever un peu plus tard. Disons fin avril, par exemple. Avec la pauvre. Eh ben, c'est ce qu'on appelle un sacré somme. Y a pas à dire, cette histoire d'hibernation, c'est vraiment chouette. J'espère seulement pas avoir raté le printemps. Hein? Bon, voyons combien de temps j'ai dormi. Quoi, seulement 9 minutes? Oh, je devrais peut-être encore manger un morceau en prévision de ce long sommeil. Ça y est, je suis prêt. Ouais. Bon, ben, je vous laisse. Je vais hiberner. Je suis parti pour un long sommeil de 4 mois. Une minute. Si je dors durant tout ce temps, je risque de manquer mes émissions préférées. Oh, que je suis bête. Il y a des rediffusions. Je peux hiberner tranquille. Hey, Garfield! Je voulais juste te dire que je sortais dîner avec Liz. Je ne veux pas qu'il y ait le moindre problème durant mon absence. Sinon, je te préviens, c'est toi qui auras des problèmes. Je vois franchement pas en quoi je pourrais créer des problèmes. Je m'apprête à dormir pour 4 mois. Non, dis, je ne vais pas jeter ce bout de bois pour qu'après tu puisses aller le chercher. Là, tu vois, j'essaie d'hiberner. T'as qu'à revenir me voir plus tard, disons, vers la mi-mars. Allez, on y va chercher. Si je veux pouvoir dormir pendant 4 mois, je vais avoir besoin de calme. Je vais mettre ça dans mes oreilles. Et je vais aussi mettre ce panneau. Oh, avec tous ces petits tracas, il va sans doute me falloir pas mal de temps avant de trouver le sommeil. Salut Garfield! Salut Garfield! Écoute-moi bien Garfield, c'est Nerman qui te parle. Nerman alias le chat le plus mignon du monde. Qui que vous soyez, fichez le camp, j'hiberne jusqu'au mois de mars, réveillez-moi et vous aurez de très gros ennuis. Waouh! Et ça, c'est doublement vrai pour toi, Nermal. C'est génial! J'ai la maison pour moi tout seul! Nya. Ha ha ha!
assiette de lasagne géante. Quel délicieux rêve. Gaudi, tu peux être sûr que tu vas regretter de m'avoir réveillé. Quoi? Oh, ben, oh, secours! Ah, baba! Oh, qu'est-ce qu'il y a? Hey, salut, Garfield, ça bouge, mon pote. Oh, c'est trop cool que tu sois réveillé. Un peu plus et tu manquais la fête. Oh là là, Audi, il faut qu'on fasse sortir tout le monde de la maison avant que John arrive, sinon il risque de piquer une méga crise. Tu vois? Un peu comme celle-là. Allez hop, les amis, tout le monde dehors, la fête est terminée. Garfield, je t'avais prévenu pourtant. Mais moi j'ai rien fait, je dormais dans la chambre, c'est normal. Quoi? Tu veux peut-être essayer de me faire croire que tu as réussi à dormir avec tout ce vacarme? Très bien tout le monde, le moment est venu d'entrer en hibernation pour tout l'hiver. Bonne nuit. Oui, bonne nuit. Bonne nuit. Oui, oui. Bonne nuit. Ben, hey, Garfield, tu comptes hiberner jusqu'à ce que le printemps soit là? Oh oui, au moins. Tu sais, ça m'étonnerait que John me donne à manger d'ici là. Oui. Oh, je crois que le mieux que j'ai à faire, c'est dormir.